c'est la vérité qui va sonner tout à l'heure. C'est pourquoi certains ont peur que je parle. Et je vais parler. Je remercie Maître Bereté, mon père. Soyez courtois. Vous êtes un grand, des grands. Dieu est grandeur. Lorsque tu mets un enfant au monde, c'est Dieu lui seul qui sait l'heure à laquelle ou le jour à laquelle il parlera. Alors, aujourd'hui, Dieu a choisi pour me libérer, pour libérer mon cœur. La vérité et le mensonge sont deux lits parallèles. Et la vérité a toujours eu la victoire sur le mensonge. C'est ça, c'est clair. Monsieur le Président du tribunal criminel, homme sage que vous êtes, j'ai fait quelques mois ici en vous regardant vos manières de rejeter, vos manières de répondre, vos manières de mettre de l'ordre. Vous savez, il y a un adage africain qui dit « Le crapaud ne mord pas, mais quand tu le piétines, il est obligé de te mordre. » Mon cœur souffre, il faut que je relâche. Je suis un chrétien, je suis un dirigeant de l'Église. C'est nous qui avons bâti l'Église. Agrémenter l'église de la maison centrale. Je prie pour des gens et ils gagnent la guérison. Je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas accepter que mon cœur souffre sans dire ma part de vérité. Quelle que soit la condamnation ou ma liberté, et je sais que je serai libéré dès après cette déclaration. Monsieur le Président, assesseur, procureur et substitut, je sais que le peuple de Guinée vous regarde et le monde vous regarde. Sans oublier le tout-puissant Dieu que d'autres appellent Allah, les musulmans, mes frères, vous regardent avec son caméra non visible. Je voudrais dire simplement que je ne vous dis que la vérité et la vérité. Dans cette vérité, je ne sais pas, je n'avais même pas prononcé à faire trembler le soubassement de certains qui d'ailleurs, qui ont porté plainte contre ma personne, qui d'ailleurs encore, qui me semble ridicule. Porter plainte contre Marcel, ridicule parce que où on parle de plus de 150 morts et tu parles de disparus et toi tu parles de tentatives de chantage. Quel chantage? Quelle honte de leur part. Ce que tu n'as pas donné pendant la lumière, c'est dans l'obscurité que tu peux la donner. Non.